De la houlance, du vent dessus, de la douceur et une visibilité réduite ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la Cano et bon jeudi. On commence la journée avec un temps couvert à pluvieux très doux. Il fait déjà 18 degrés dans l'air, 19 degrés dans l'eau. La marée était haute à 7h35 avec des coefficients de 82. Sur ce début du descendant, le vent est side onshore, soutenu sud-sud-ouest. Il y a 4 beauforts. Les moutons sont déjà bien présents sur le plan d'eau, les phases de vagues sont ridées à clapoter, puis on a une houle longue de 11 secondes de période orientée ouest à ouest, sud-ouest, multipique et à la hausse. C'est pas énorme, c'est pourri, il y a 1m50 en déferlement régulier, 1m80 sur la majorité des séries, 2m sur les gros sets. En termes de taille, c'est accessible, la barre est assez facile à franchir, il y a de grandes accalmies, mais en termes de qualité, c'est moyen médiocre. On voit des bouts qui arrivent à dérouler, mais bon, c'est dans le vent, c'est pas terrible et ça va pas s'arranger. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va grossir la bouée Arcachon-Gascogne où au dernier check était à la hausse à 3,70 m et 9 secondes. Le vent de sud va se renforcer soutenu à la mi-journée avant de passer onshore et de faiblir un peu cet après-midi. Prévision à 9h, 2 mètres, houle ouest à ouest-sud-ouest en seconde de période, vent de sud-sud-ouest à 4 beaufort à 13h, 2,30 m, houle ouest à ouest-sud-ouest 13 secondes de période, vent de sud-sud-ouest 4 à 5 beaufort et à 17h. 2m50 m, ou l'ouest à ouest-sud-ouest, 13 secondes de période, vent ouest-sud-ouest 3 à 4 beaufort pour les très motivés. Mobilité médocaine possible en première partie de journée, sinon des conditions plus favorables sur la côte basque, vent offshore modéré à soutenu et vagues de 1,50 à 2 mètres ce matin. Pour la Cano, le prochain point, il est à 8h30.